J'attends un petit peu qu'il y ait des gens qui surviennent. Oh, qui personne. Donc voilà. Le retour donc pour j'ai. Je vais expliquer un peu ce que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Donc le fait est que je fais pas souvent des vidéos. Même pas du tout souvent. La dernière ça devait être il y a 6 mois peut-être. Et le truc c'est que je joue pas mal hors vidéo. À chaque fois que je me dis que je vais enregistrer. Je sais que derrière il va y avoir du montage et tout, et même des fois j'enregistre mes parties, mais après tout ce qui est montage, upload, ça prend pas mal de temps et souvent ça me décourage. Donc ce que j'ai décidé, c'est qu'à chaque fois que je jouerai, enfin peut-être pas à chaque fois non plus, mais la plupart du temps quand je jouerai, je le ferai en live. Comme ça, il n'y a pas forcément de. Je peux l'upload ensuite sur ma chaîne sans montage ni rien. Et puis c'est toujours sympa. Donc voilà, j'espère que cette formule vous plaira. Comme ça, si y en a qui préfèrent les lives, pour le voir en live, et les autres, puis il y a la rediffusion. Excuse la qualité qui n'est pas super, super, super. Mais bon, j'ai un peu une connexion en carton, il y a la campagne. Wouhou, salut. Qu'est-ce que vous préférez pour avoir des poneys? Alors, non, ben voilà. Et donc on va tout de suite commencer à dire des conneries sur Cube World. donc, hop, il y a une forêt ici. Donc je vais vite présenter pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Cube World est un jeu indépendant, développé, enfin je considère comme indépendant, je sais pas, je veux vraiment la définition. Enfin bon, voilà, pour un studio indépendant, qui est le studio Pichroma, il me semble, dont le fondateur est Wally, dont les fondateurs sont Wally et sa femme, dont je me rappelle plus le pseudo, je suis désolé, qui sont deux Allemands qui ont fait ce jeu. Donc c'est un jeu d'aventure. RPG, pas tout le monde se barrer. C'est si chiant que ça ce que je dis. là on peut donc avoir de l'équipement, l'améliorer. Au fur et à mesure, on a du meilleur et encore du meilleur. Et ce jeu n'est pas très bien, pas trop évolué. C'est un peu juste taper le mode, mais bon, j'aime bien faire ça. Un peu comme Diablo 3. On va vite fait mon stuff. Wouah, pièce maîtresse. J'en ai chié pour l'avoir. Salut. donc, voilà. À chaque fois qu'on monte de niveau, donc là je suis niveau 487, chaque niveau correspond à une puissance. Donc, la puissance va de 0, de 1 à 100. Donc moi je suis Power 97. Le principe... Attendez, je vais juste mettre le chat du live au cas où il y a des gens qui seraient... J'ai pas pensé au chat, je suis un peu con. Vous allez le voir dans les commentaires. Donc... Détaché... Si ça veut bien... Détache le chat. Et erreur, ok. Merci. Merci, merci. Allez. Oula. Un ennemi dissident. Bon, apparemment le chat est actif, c'est bon, je vois le faux message. Vous pouvez écrire des conneries dans les commentaires, ce sera lu. Il n'y a pas de souci. Donc je sais plus ce que j'ai dit. Ah, c'est très la merde. Donc je vais tout de suite changer de pet déjà. Donc on peut avoir des animaux compagnie, ça c'est assez sympa.
Ah, donc moi j'ai un poney. Oh, c'est génial. Je sais pas combien de fois j'ai déjà dit ce mot dans le live, mais c'est pas grave. Ouais, ça me fout. Sur la carte qui est très bien foutue en 3D et tout, vous avez différentes zones, ils ont en fait différents biomes. Hein. À peu près le même système que Minecraft, sauf que c'est mieux foutu. Donc, dans chaque biome, vous avez à chaque fois une ville. Donc, représentée par cette petite icône sur la carte. Et vous avez aussi plusieurs endroits qui sont nommés, plusieurs lieux. Et sur certains, vous voyez deux petites épées qui tournent. Ce sont des quêtes. Donc, vous pouvez avoir plusieurs quêtes sur un même territoire. Hein. Et ici, il y a une quête là, et une quête là. Et c'est tout. Mais bon, là. En général, vous en avez 3 ou 4. Et à chaque fois, à chaque nouvelle journée qui commence, à minuit, toutes les quêtes sont réinitialisées et tous les monstres réapparaissent. Donc c'est sympa. Et donc voilà. Donc on va aller directement à la quête plus proche. Je vais changer de biome. Là on va aller dans un biome neige. En théorie ça va être déjà plus sympa. Ouais, je vais pas éteindre la lumière, sinon c'est de la merde. Déjà qu'on voit rien. Par contre, dans la nuit dans Cube World, on voit rien. Genre, rien, quoi. C'est assez violent. Donc, hop, donc vous voyez, nouveau biome, et là, j'ai une, deux, trois. Trois quêtes. Oula. J'ai entendu des. J'attaque, ok. Il va y avoir un petit monstre qui s'est fait défoncer la gueule. Et en partant vers le sud, normalement, il y a une quête. Donc on va y aller, ça va être un petit peu long. Je vais essayer de dire plein de trucs pour l'instant, comme ça va être... C'est plus court, c'est génial. Le Delta Plane aussi. Très sympa pour... Déjà parce que c'est swag. Et... Non, pour courir des longues distances assez rapidement. Et... Toujours à 0 viewer. Je suis seul. Je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Pour ceux qui voient la diffusion, ayez pitié de moi, venez voir en live. C'est con. Voilà, en même temps c'est le premier, c'est normal que. Il n'y a pas beaucoup de gens qui soient disponibles et ou au courant. Donc, on s'avance. Je sais pas si niveau son et tout ça va, si vous m'entendez. Normalement on a fait 2-3 tests avec un pote avant. C'est pour ça que j'ai dû redémarrer le live plusieurs fois. Donc normalement le son c'est bon, on m'entend. La qualité est dégueu, mais bon. J'ai une super connexion encore une fois. Donc bon, voilà, c'est pas le live de l'année, mais c'est un moyen de faire des vidéos plus souvent. Ah, voilà, on va arriver à la quête là. Oui, le grand arbre là-haut. Défense celui-là. Là-haut, il y a un grand arbre là. Et normalement, c'est notre quête, je pense. Ok, je me suis pris un petit bloc. Je vais défoncer la gueule. Heureusement qu'on voit pas de vie au moins. C'est déjà ça. Alors, est-ce que c'est des ennemis puissants ou est-ce que c'est des grosses tombes? Grosse daube! Donc c'est pas la quête, hein. La quête est plus loin, ça c'est juste des daubes. Ils sont sur le chemin, le boss est là-haut. Attaqué par les PNJ. C'est de l'agro. Lui le ninja qui attaque à distance. C'est très logique. Qui ne savait pas que le voleur attaque à distance, hein. C'est un petit peu la marque de fabrique. Moi je reste pour défausser la gueule. Ok. C'était très... Le combat étant intense. Donc. On monte à d'autres poneys et c'est reparti. Faut mettre un compteur et tout. On voit déjà presque... Enfin, ouais, presque plein. Moi je vois déjà presque plus rien, pardon. Et j'ai l'impression que sur le live on voit encore moins bien. Donc voilà, attends, je regarde
S'il n'y a pas eu des drops. Dans zéro drop depuis tout à l'heure. C'est génial. J'ai fait des tests en 480p. Vous avez pas voulu voir le nombre de drops. C'est énorme. Au 30 secondes, vous avez 50 frames drop. 5 secondes plus tard, encore 50. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous êtes à 2500 frame drop. Ok. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas très fluide, hein, mais bon, c'est de la bonne qualité au moins. Non. Bon, je suis en 360p, c'est pas énorme, mais voilà. J'aurais atteint le. Bah, la qualité de merde du live, c'est vrai. Vous allez avoir qu'une image négative du live. Comment vendre le produit. Il est frais, mon live. Non, ça marche pas, ça. Ok, il y a encore des ruines. Salut! Ah. C'est aussi des merdes, mais ils donnent plus XP parce qu'il y a marqué plus 2, donc ça veut dire qu'ils sont plus puissants. Donc en gros, comme leur nom est en blanc, c'est à dire que c'est des daubes. Plus 2, c'est à dire qu'ils sont plus puissants que des daubes, donc c'est des super daubes. Et du coup, comme c'est des super daubes, fait qu'ils soient super, là, fait qu'ils donnent énormément d'XP, même si c'est des nazes. Bonjour. Il me donne du stuff qui est pas bon au niveau, mais qui est de bonne qualité, donc bon. Pas me plaindre non plus, hein. Ce sera un peu... Un petit peu, quand même. On y est presque. Ouais, on troll le loup, c'est bon. J'aurais pu péter le boss, mais j'ai la flemme, donc je vais le faire, ok. Vous voulez pas, j'en suis sûr. Encore un peu de deltaplane et on y est presque. Donc, ce qui est chiant, c'est quand les quêtes c'est un peu pourri. Genre, vous avez juste un cyclope ou un saurien, tu vois. C'est genre les deux monstres qui n'évoluent pas au fur et à mesure que vous avancez. Alors que tous les autres monstres évoluent, hein, ils sont de plus en plus puissants et tout. C'est juste deux monstres qui n'évoluent jamais, mais qui sont souvent des. Il va s'attuer pour des quêtes. Et donc vous finissez à battre des ennemis niveau 10 alors que vous êtes level 450. What? Bon, c'est bon. On va dans les ruines, donc il y aura pas mal de monstres. Ok, bon. Ils sont de mon niveau. Ils ont pas de plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Mais au moins ils sont de mon niveau. Donc je peux dropper du stuff décent. Sachant que j'ai déjà un stuff plutôt craqué. Craquer, voire craquer plus en fait. Je pense pas que j'aurais de trucs très intéressants, mais bon. Oh, je sauve la sorcière, c'est énorme. En fait, je l'ai pas sauvé du tout. Je sauve le petit cochon, c'est déjà ça. Oh bah non, en fait, je suis un protecteur de merde. Allez, c'est parti, on est marre, on le défonce les gueules. Sympa avec les armes où vous healez quand vous tapez. Genre récupérer de la vie à chaque fois que vous tapez. Si vous voulez avoir de vie. Elle monte. Des fois elle descend, mais c'est pas pour longtemps. C'est qui est bien. Wow, attaque en plein vol et tout. Ok. On a un super, super. Donc on a Scala qui nous a repéré un bonbon. Ok. Sims Liquid. Je vais revenir à la ville parce que là on voit strictement que dalle. Je vais essayer de passer le jour. Et je pense que je vais pas tarder à finir le live parce que voilà, c'est juste le premier live, donc c'est vraiment du test. Pour vos retours et tout. Donc ouais, n'hésitez pas à me donner votre avis. Hop, level up. 489. Ok. On va commencer dans un mur, vous êtes instantanément... Vous
tombaient par terre et faisaient des petites étoiles qui tournent autour de sa tête, mais là, bon, je sais pas pourquoi j'ai continué à voler contre le mur. Pardon, bouger un peu le micro. Yep. Mon cheval s'est barré. Et alors la maison est ici. Enfin la maison. La ville est ici. Donc pour les prochains lives, il y aura aussi peut-être des d'autres tarés dans mon genre pour venir parler. Hein. Genre de lire des conneries. Non, je rigole, il y en a qui sont. Il y en a qui sont. Non, je veux dire intelligent, mais non. Enfin, ça d'esprit, ouais. C'est ça que je vais changer. Ok. Je vais éviter de me prendre le mur dans la gueule. C'est une mauvaise figure, ça. Toujours dit, c'est pas bien de se prendre le mur dans la gueule. J'ai l'impression que t'es débile. Je sais pas si vous entendez l'avion qui passe au-dessus, ça c'est épique. Alors, un petit boss sur le passage, je sais pas ce qu'il fout là. Je sais pas s'il est censé taper fort celui-là. Je regarde, il est pas censé taper fort. J'espère pour lui, parce que sinon il peut se recoucher. Je suis pas en train de spammer la souris, j'espère que ça s'entend pas trop. Je sens qu'après, on va voir la vidéo, ça va faire clic 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 toutes les 5 secondes, on se voit. Faut toujours espérer. Oh, je vais me reprendre le mur dans la gueule. Génial. Ici. Toujours en bonne direction. Ok, donc il y a un petit promontoire là-haut. Faudra savoir comment ça s'est formé ça. Un météorite qui est tombé mais qui s'est un petit peu raccroché. Il y a un tir de la météorite qui est sur la montagne, mais les deux autres tirs ne font pas du tout tomber. Ça serait respecter la logique de la physique en fait, donc ça sera pas drôle. Voilà, on voit la ville. Donc, tâchons de trouver une auberge. C'est pas gagné. Il y a une liste juste ici. Là, hop. Voilà. Ce son, pour la fois que vous jouez, c'est à peu près un des seuls effets sonores qui est en jeu, à part quand vous prenez les coups, et du coup, en général, ça vous défonce les oreilles la première fois parce qu'il est super fort. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore joué au jeu, pensez à baisser le son. Et oui, dans les ruines où j'étais tout à l'heure, j'avais une quête. Là, une autre quête est réapparue parce qu'on a passé le. Enfin, on a passé la nuit, on est arrivé au jour d'après. Donc, je zoome un peu sur la carte. Si vous êtes sur un côté d'une ville et que vous zoomez plus sur la carte, vous allez avoir les quartiers, voilà. Et vous allez avoir aussi les petites icônes pour chaque commerce. Et vous les voyez sur le minimap aussi en haut à droite. Ici. Je pense que vous savez où est ou en haut à droite, mais bon, c'est jamais. Et quand vous dépassez, vous voyez celles qui sont proches. Là, vous voyez qu'il y a le forgeron là-bas. Et je crois que j'avais quelque chose à crafter. Ok, j'appuie sur les touches au pif, je voulais voir la forge, mais ça fait monter sur le cheval, ok. Ok, je vais y arriver. ok, donc j'ai que de la dôme. Salut. Salut. Ok, j'ai vraiment que... C'est la merde, en fait. Bon. Bon, mais... Voilà, j'espère que ceci est... que ce petit live vous a plu. C'est vraiment petit, mais bon. Je sais pas du tout combien de temps ça a duré en fait. Mais bon. Ok. Ça dure à peu près 90 mégaoctets. Wouah. Ça c'est de l'info. Bon allez. Donc merci d'avoir suivi ce live.
N'hésitez pas à partager comme ça. Enfin, je sais pas trop comment ça marche sur Twitch. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Twitch. Je vais mettre aussi ma chaîne YouTube. J'essaie de la mettre dans la description, tout ça. Sinon, tapez Darklybox comme ma chaîne Twitch, mais sur YouTube. Et vous devriez trouver normalement. Et donc voilà. Merci d'avoir suivi ce live. Et peut-être pas à demain, mais a priori sûrement un mercredi pour un nouveau live. Allez, à plus.